Est-ce que du coup on garde le normal ou on essaie un autre mode de jeu? Moi j'ai pu comprendre en fait que ça changeait juste la map de départ quoi. Tu as plus de poissons? Je sais pas. Limite entre espace agricole, ouais non. Ferme des collines. Ouais ok. Autant faire normal, au pire on en fera d'autres. Tu vois, ça me plairait qu'un jour on fasse une ferme en région sauvage. Ouais, ça serait marrant. Mais autant on commence à faire une coop et on s'habitue un peu et après on fera. Mais oui, autant commencer par. Si je fous des coups de truc au micro, ça va le faire. Tout va bien, donc moi je préfère les chiens. Mon nom c'est Pof. On l'appelle comment la ferme? Donc comme tu veux. Moi je l'avais appelé Tub. Moi je l'avais appelé Farty Farm. Du coup je ne sais pas. Ah bon. Chose préférée? Le rondel. La pizza. J'aime pas le t-shirt. En fait j'aime pas le pantalon aussi, c'est possible ou pas? Ah ouais, une barbe. On va laisser comme ça. Hein. Oui. Est-ce que tu trouves que je suis lent? Non, tu fais ce que tu veux. Est-ce qu'on met passer l'intro parce qu'on s'en fout, on la connaît? Oui. Ah, couleur du pantalon, juste je change parce que je la trouve dégueulasse. Voilà, c'est mieux. Un peu plus français. Ouais. Nom de la ferme, qu'est-ce qu'on met? Michel? Ouais. Parce que la ferme Michel? Elle a perdu son chat. Exactement. Mmh. Disposition des cabanes, du coup. Mais en deux et à proximité. Alors là, tout freeze. J'ai cliqué, hein. Je peux plus bouger la souris. Oh yes! Ah yes! Le pare-feu. Incroyable. Et du coup, comment je te rejoins? Comment tu me rejoins? Tu me rejoins ben, en faisant rejoindre. Entrée l'IP. Bonne question. Je vais te dire ça. Comment on fait? A few minutes later. C'est Alt 8. Alt de droite, 8. Ah ok, je faisais commande. Ça marche ou pas? Non. Ctrl Alt alors. Le contrôle est à gauche. Ça marche pas? Non. Moments later. Elle est là aussi. 10.0.0.46. Ah, mais c'est la locale. Oui, c'est la locale. J'ai vu, je me dis, oh non, donnez notre IP. Venez nous dédos. Match later. Merde, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, multijoueur, ami uniquement. Invité uniquement. Ami uniquement. Ah, vas-y, parce que je pourrais faire par invitation aussi. Ah ouais, mais il faut qu'on soit ami GOG. J'ai un code d'invitation. Donne, je vais le noter. 15 minutes later. Connexion en cours. Si là ça marche pas. Ah, bah voilà. Et laquelle? Bah c'est toi qui choisis en fait. C'est juste que. Je sais pas, c'est toi qui choisis. Je sais pas pourquoi. En fait, parce que c'est les slots disponibles dans la partie. Ok, parce qu'on est à plusieurs. Fermier sans nom, quiche, a rejoint la partie. Ah yes. Donc du coup, on va pouvoir commencer. Bah commence le temps que je crée mon perso quoi. Bah attends, je vais juste. Si je fais ça, le temps passe pas. Non, le temps passe pas. Parce que je t'ai mis la pression et moi maintenant je vais choisir ma perso. Non mais du coup je vais tweeter que c'est bon, on est en live et que ça marche. C'est bon. On a réussi à se connecter. On va. Ok. J'ai tweeté. Je sais même pas quel raccourci clavier j'ai fait, mais du coup ça a tweeté. Alors que j'avais pas fini la phrase. Moi je peux pas dire si j'aime les chiens ou les chats. Ah ouais? Ouais. Ah, parce qu'il y a qu'un seul animal. Chose préférée, la bière. Les gens qui me connaissent sauront que c'est vraiment vrai. On va réussir à se connecter. On a réussi à se connecter. Je... On va. On commence. Ok, il faut que je remappe toutes les touches. Non, pas né. Ouais, bah moi aussi. Et le pire, c'est qu'en fait, j'ai dû le faire à chaque fois que j'ai relancé le jeu, donc c'est assez relou. Oh yes. Comment on dit dépanner?
P-A-N-A-I-S. Il n'y a qu'un seul N. Ah oui. En haut. En bas. À gauche. À droite. Courir mage gauche. Ok. Mais attends, déjà. Hyper important, courir par défaut affiché, porte affichée, toujours affiché la zone d'utilisation de l'outil. Après, t'en auras peut-être moins besoin, parce que du coup, tu vas cliquer à l'endroit où tu... Ouais, mais j'ai trop fait de conneries pour pas mettre attention. Ok. Ok, on verra après pour binder les autres touches, déjà de l'inventaire. Ok. Attends. Le bind de l'inventaire, c'est quoi? 1, 2, 3, 4, 5, ça me paraît normal. Ok. Là, je me déplace. Ok, je sais déjà pas comment on ouvre. Des graines de panier, nouvelle entrée dans le journal. Ah, mais toi, t'es essayé, t'es déjà arrivé. Ah, mais moi, je suis du speedrun. Là. On commence à planter nos panais. Je remets que t'es là parce que les gens vont peut-être pas comprendre. Putain, mais la map, elle est vraiment. Je me rappelais pas qu'elle était autant comme ça au début, quoi. Elle est comme ça. Et puis là, en plus, elle est plus grande parce qu'on est deux. Enfin, parce qu'on est plusieurs. Alors, moi, la strat que j'avais dès le début, c'était de foutre. Voilà. C'était de foutre les premiers. Ah, mais parce qu'on est dans des cabines, ok. Et pas dans la maison. Moi, je crois que toi, t'es dans la maison et moi, je suis dans une cabine. Du coup, qu'est-ce qu'il y avait de spécial? Afficher la zone d'utilisation. En déplacement, masquer la zone d'utilisation. Mettre le jeu en pause. Accepter, machin. Volume sonore, volume départ. Mode fenêtré. Arrière-plan du menu, je sais pas ce que c'est. Commande de zoom, je sais pas ce que c'est. Il y a beaucoup plus d'options que sur. La Switch. Hein. Est-ce que ça va? C'est pas trop chiant? Deux. J'ai un peu de mal en fait avec les touches. Hein. Sur la Switch, si tu veux, j'avais les gâchettes pour gérer le truc. Moi, j'ai 15 grammes de panais. J'arrive à t'aider. Alors en fait, je suis en train de clear la zone en fait. Ah, il est parti. Du coup, faut scroller pour changer d'outil. Ok, tu vas pas te faire défoncer? Ah si. J'ai plus l'habitude des outils de base. Ouais, et du coup, en fait, je me dis, mais. Vos outils de merde. Bah, c'est ça, enfin, au bout d'un moment, quand il me faut 4 coups pour défoncer un pauvre truc. Ok, donc je te propose qu'on les plante là, comme ça c'est à côté du... Ouais, comme C'est à côté du truc. Ouais. Je commence, du coup, on le fait comment on fait un gros carré, regarde. Hop. Ah merde, mais regarde, tu vois, la zone de l'outil, regarde-moi. C'est pas du tout à l'endroit où ça tape vraiment, donc fais gaffe quand même. Moi, ça fait poète. Comme ça? Ah, oui, d'accord. Enfin, c'est le début, c'est... Là, tu vois, sur la ferme que ma vraie ferme sur laquelle je joue sur la Switch, je suis en train de tout refaire dans tous les sens. De toute façon, tu t'en fous parce que l'hiver, ça te reset limite la ferme, quoi. Ah ouais? Bah, ça te reset au moins le... Les champs. Le champ, donc... bon, par contre, j'avais oublié que, pareil, niveau énergie, c'est pas ça. Ah putain, c'est relou, en fait. Je te laisse planter. J'arrose et en fait on fera un versement quand je planterai les miennes. J'ai du mal avec la souris. Pourquoi? Parce que en fait je commande pas. Je coupe cet arbre, il faut. Je vois rien. Ok, j'arrose. T'as plus de graines? Non. Je vais planter les miennes. Il a déjà plus d'énergie. C'est vrai? Bon, on va juste aller dire bonjour aux gens. Pourquoi je peux pas planter là? Parce que j'ai déjà mis. Hein? Oh non! Je plante là où je mets, j'arrose pas. Mais oui, mais en fait, c'est ce que je te dis. En fait, il a beau te montrer la zone d'action de l'outil. Et ben en fait, pas du tout. Il a planté là où il regardait et pas du tout. En fait, je pouvais pas parce que j'étais trop loin. C'est pour ça que je pouvais regarder le.
Oui, mais justement, je suis en train de t'expliquer que même quand il affiche la zone d'action, et en fait, il le fait pas. C'est-à-dire que j'étais, regarde, j'étais comme ça en train de regarder en l'air, j'avais la souris deux cases à droite, j'avais le truc rouge deux cases à droite, et en fait, il a planté devant lui. Moi, j'ai l'impression que, tu vois, si je sélectionne... Ouais, ça plante devant. Ok, j'ai compris ce que tu veux dire. C'est-à-dire bon, que dire des fois, c'est pas parfait, quoi. Je dis pas que c'est tout le temps le cas. Mais... Donc toi, t'es dans la petite cabane à gauche, c'est ça? Apparemment, ouais. On profite, je ramasse la plante. Je regarde s'il y en a d'autres. Il y en a une, là. Il y en a une, là, aussi. Ok, c'est qui que... Maintenant, parce que je voulais tester justement qu'est-ce qui se passait. Parce que j'ai toujours du mal à comprendre dans ce jeu qu'est-ce qui se passe quand t'essayes de. Quand t'as un truc dans les mains et que tu fais une interaction, des fois ça fait autre chose, ça prend pas l'objet. Ah, il y a Harvey. Bah, va dire bonjour à Harvey. Attends, mais je pense que moi aussi je vais lui dire un bonjour. Un plaisir de ta connaissance, tu m'étonnes du village. Lui, je genre pourquoi pas. Là je lui donne un coup de pelle. Vincent, retourne dans tes cages, Vincent. Alors. L'agenda du village. Moi okay. Je vais monter en haut, comme on dit. Annonce, aucune annonce. Hop, toi, tu pars pas, putain. Lui, il est relou dans le jeu. Sam, enchanté. Pas de même. Ah, Pam. Avant d'aller au bar, viens là, Pam. T'aimes pas Pam? Mais ça y est, tu connais leur planning par cœur. Ouais. Il y a Shane qui va bientôt aller travailler. Ah, mais il est déjà 17h dans le jeu. Ouais, oui. Et 17h dans la vie aussi. Ah ouais, dans une heure, il y a le match 22. Tu m'as pas dit 19h. Ouais, je suis en train de me faire une... Non, du coup, sauf que lui, Pierre, il a fermé sa journée, donc du coup... Je suis en train de... Oui, du coup, là, on a rien, mais... Je suis en train ah, de... Shane. Je te connais pas, pourquoi tu aimes parler? Toi, tu les connais tous, ça y est. Je crois que j'en ai... Bonjour Penny, bonjour Marou. Réfort, ah c'est du réfort en fait ce truc. Franchement il te ressemble trop ton avatar. Ouais, je suis content. Ouais. Parce que ça y est, j'ai réussi à en faire un qui me ressemble alors que je me suis foiré sur la Switch. Je vais voir Gunther. Qu'est-ce qu'il fait Gunther? Bah, la bibliothécaire. Ah ouais. Ah non, c'est fermé. Ah non, mais là ça y est, tout est fermé, il est 18h30. On est baisé. Baisé. Alors du coup, oui, t'es dans celle-là? Ou celle-là? Non, il m'a affiché à celle de gauche. Ok. Ça, bah, ça doit être ça, en fait, le 1-2 qu'il te proposait au début, ouais. C'était... Ah oui, pour savoir qu'elle... Oui. Il y a Barbaros qui fait « Ah, enfin de la confiture, salut Barbaros !» On vient tout juste de commencer, donc la confiture, ça va pas être tout de suite. Moi, j'en fais de la confiture dans ma vraie partie. Mais là, j'essaie de faire du... Oui, je sais que c'est plus efficace, la faux pour les herbes. Du Starfruit Vine. Ah oui, le truc Ancient Fruit. Alors, Ancient Fruit, en fait, je suis en train de les... Comment ça s'appelle ? De les... D'en faire des graines pour avoir un terrain complet. Quoi. Pourquoi je peux pas cliquer ? Comment on fait ? Comment t'as fait, toi, tout à l'heure ? Ah bah c'est bon, j'ai réussi. C'est juste que il fallait cliquer précisément à un endroit. Je vais tellement vous backseat de ouf que vous allez vous dégoûter de jouer, que ça va vous dégoûter de jouer à Forza. À Forza? Je sais pas, j'imagine que backseat parce que du coup en arrière de la voiture. Voilà, ça fait des jokes et... de tuning là. Ouais. Déjà vu. J'ai celui du mauvais jeu. Moi je dormir. Bon du coup, je vais vendre ça. Comme ça. Barbarous il va s'énerver, il va faire « Quoi? T'as vendu ça? Mais t'es fou! Dans deux saisons, ça vaudra 300 au lieu de 250. » Dis-je de bonne aventure. On va dormir? Ouais, moi je regarde la météo de demain. Ah, pardon. Pour demain. Il va pleuvoir toute la journée. Ouais, trop bien, donc on n'aura pas besoin d'arroser. Oh! Il suffit de cliquer sur l'objet pour le déplacer sur PC. Ouais, tu le... Il va pleuvoir sur Switch aussi. Ah oui. Donc faut qu'on se synchro pour aller dormir. Ouais, bah oui. Ah toi t'as vendu des trucs? Ah bah attends. Je sais pas, moi j'ai tout gardé. Moi je. L'argent hein, la money. D'abord il faut à mon avis faut rush Pierre pour acheter des graines. Ah, je pensais rush Pierre genre aller à la mine. Oh.
Non, la mine elle est pas encore ouverte. Ah oui, c'est le cinquième jour, je crois. Vas-y, je m'occupe du courrier. C'est moi ou ça t'a freeze le jeu quand j'ai ouvert la lettre? Freeze du cul. Je viens de rentrer dans une excursion de pêche, tu devrais venir à la plage un de ces jours. Il va nous donner sa grosse canne. Bah, je vais la chercher si tu veux. Ouais, vas-y. Mais est-ce que ça nous met pour tous les deux? Je sais pas. Moi, je rush bien. Il faut que t'ailles acheter des graines quand même. Parce que demain, il sera fermé, Pierre. Il ferme le mercredi. Mais tu peux les acheter pour nous deux, non? On a... Après, on peut se donner des trucs. C'est un compte commun, de toute façon. Je commence à manquer de junkies. Si quelqu'un vous en apporter, j'aurais aussi beaucoup, Shane. Ah bah, du oui. Parce qu'il y en a partout, des junkies. Okay. C'est les trucs... Ah, mais... Putain, mais moi, je connais du coup tous les noms du jeu en anglais. Bah, peut-être qu'on devrait le repasser en anglais. Mais... Enfin, moi, je sais juste que c'est des junkies parce que ça ressemble à une junkie, mais... Clic droit, probablement. Ouais, non, ça... Mais c'est faut être vraiment en face pour que ça marche. Ouais, mais c'est trop tôt. C'est trop tôt. Est-ce que j'ai une junkie, moi? Ben, j'ai une junkie. Donc si je vois Shane, je donnerai ma junkie. Willy. C'est quoi, la prochaine fois, on fait un truc de ouf avec un autre écran et des trucs et des machins. Et salut, Tosho. Et comme ça, on met ton écran aussi. On pourrait en plus, hein, juste avec la sortie HDMI, le truc et tout. Ah, en fait, on aurait pu le faire assez facilement. On fera ça. Comme ça, ce sera tout petit et ils verront ni l'un ni l'autre. Non, tu prends sa grosse canne ou quoi? J'imagine que... Y'a Shane! Oui, Shane! C'est que tu peux scroller pour... Oh, t'as vu, j'ai publié là, j'ai apprécié ton geste. Merci, t'en peux en prendre contenu. Merci pour le follow, Tosho. Alors, j'ai pas eu du tout. Ah oui, parce que Wisebot est plus rapide que Streamlabs. Bizarre. Il devrait y avoir une alerte d'ici quelques... Ah, là. Merci pour le follow, Tosho. Du panier. Eh ben elle est longue, cette... Ouais. Alors, tu peux faire shift pour les acheter par 5. Ok. Bah du coup, je vais pêcher. T'as pas de canne à pêche, toi, du coup, qui est apparu par hasard dans ton inventaire. De toute façon, là, c'est plein, donc... Ouais. Je suis plus habitué d'avoir un sac aussi avec 10 slots. Alors, c'est le problème de Twitch, Tosho. C'est que vu que je suis ni riche ni célèbre, j'ai pas... Alors je sais pas comment on fait, faut cliquer. Mais il devait pas pleuvoir aujourd'hui? J'ai pas le transcoding, donc en gros tu l'as dans la qualité dans laquelle je diffuse, et si ta connexion est pas suffisante, et bah du coup ça va laguer. Parce que forcément comme je stream en HD, si tu... Ah moi ça me fait laguer aussi. Ah ouais? Ah ouais. Pourquoi? Parce que je suis en HD? Je sais pas, mais moi je... J'arrive pas à... ouais, c'est possible. Ah merde, j'ai l'inventaire plein. Qu'est-ce que je vais jeter, les deux cailloux? Comment on fait pour jeter un truc? Par contre, il me semblait qu'en regardant la météo, il nous avait dit qu'il devait pleuvoir, et il pleut pas du tout. Donc ouais. Là, je dois me taper de tout arroser. Eh ben, je serais bienvenu t'aider. T'en as rien à foutre. Mais je suis en train de... récupérer des minerais d'or qui traînent sur le sol, donc... Le pissenlit, je vais le jeter, du coup. C'est le truc... Ouais, c'est le travail. Et oh, je suis en train de ramasser des moules, ok? Oh super, en plus ça va pêcher d'autres moules, quoi. Putain, mais je peux pas prendre des huîtres. J'ai faim. Ah oui, mais c'est vrai qu'on n'a pas le pont qui est réparé. Là. Bon, bah, du coup, j'arrive. Mais du coup, en fait, là, il court parce que c'est vraiment long. Déjà vu. Ah, je vais faire les poubelles. T'as vu, même là, il y a marqué égout. Tout est traduit, quoi. Ah ouais. Je sais pas comment on fait. Ah, mais de toute façon, j'ai les poches pleines, donc ça sert à rien que je les fasse. Oh. Qu'est-ce qu'il est lent.
Je les vends, hein, les huîtres, les poissons, les trucs. Ouais. Ah, attends, on va en garder un pour le community center après. On a un coffre ou toujours pas? Alors, montre-moi lequel. Tous. Ah oui, il y en a. Je sais pas s'ils sont tous dans le. Alors, comment on fait pour. Artisanat. On peut pas faire de coffre encore. Si, il faut plus de bois. Ah. Je vais couper. Mon énergie, parce qu'en fait j'ai micro pile devant ma barre d'énergie. Non, c'est bon, moi j'ai plein d'énergie encore parce que j'ai rien branlé de la journée. Non, mais déjà je trouve que c'est rigolo. Même jour 2, je trouve déjà que c'est rigolo. C'est plus marrant que tout seul, je trouve. On peut coordonner. Moi je me régale aussi à jouer seul. Ouais. Je sais comment ça va finir, tu vas jouer seul dans la partie 2. On peut jouer seul à la partie 2? Bah oui, c'est le truc. Tu vas revenir, je t'aurais tout fait en iridium et tout. Je ferai des confitures de folie. Bah là, tu peux pas parce que. Enfin, tu peux pas parce qu'il faut démarrer la partie sur. Sur le truc. Alors, par contre, comment je fais pour jeter un truc au sol? Bah, comme ça. Tu peux pas le faire parce que. Il faut démarrer la partie sur Stordi. Donc, du coup, forcément avec mon compte. Je m'appelle Michel et voilà. Mais par contre, quand on a deux, il y avait aussi le truc des fermes séparées où en fait les cabines elles sont loin. Ah, mais du coup, toi aussi tu dois aller les recourir, je crois. Parce que là c'est un truc. Ouais. Le poisson aussi je le range parce que je me dis peut-être que. C'est quoi? C'est un poisson lune. Ah ouais. Il faut le filer ou pas? Dans je sais pas. Semaine d'âge, je me souviens plus. Bah, le truc c'est que. J'essaye de comprendre les touches. Hop. Le bois, je vais le ranger. Par contre, la sève, je la vends. Je crois que j'ai le temps d'aller voir Willy. Oui. Ouais. La sève, je la vends. Ça te va? Fout, bah, en fait, ça te fait du. Du fertilizer, quoi, mais j'utilise jamais, moi. Je la jette? Ouais. J'aurais dû vendre les daffodils, les trucs, etc. Parce qu'en fait, ça fait de l'énergie et tout, mais enfin, là, au début. On n'a plus de thunes, juste pour info. Ah oui, j'ai tout dépensé en panier. Bah du coup, je fais quoi? Enfin, je vais couper du bois. Ouais. Ou je vais pêcher, peut-être? Il nous reste du temps. Hein. Je vais pêcher. Ah, j'ai la séquence avec Willy. Le temps que t'aies la séquence. Il va peut-être me faire le meilleur du son. Par rapport à... Sans me poser de questions. Mmh. Ouais. Ah ouais, j'avais compris la ref. Ah ouais. En fait, j'aime bien ce jeu parce que je peux cliquer sur des trucs dans Streamlabs et en même temps déplacer le personnage. Voilà. J'en suis à canapé. Incroyable. Ouais. Moi, je vais pêcher là-haut parce que je sais qu'il y a des bons poissons. Je connais les trickshots. C'est qui lui? Démétrius. Oh! Un poireau. Ça ressemble pas du tout à un poireau. Non, vous appelez ça des poireaux? Ouais. Dans le. Je crois que dans le. En anglais, ils appellent ça wild horseradish. Mm. La souris, alors que c'était pas nécessaire, c'est beaucoup plus facile à la souris. Ah ouais. que sur la Switch. C'est hallucinant comme c'est beaucoup plus facile. Une carpe, c'est bien ça, une carpe. Ouais. Ah bah ça c'est cool. Un bois flotté. Wazebot, il met des stats sur
depuis combien de temps le stream est lancé et combien il y a de viewers et la différence entre la dernière fois qu'il a fait, mais en fait je comprends pas parce qu'il a l'air de le faire de manière complètement aléatoire, genre toutes les 20 minutes mais pas exactement. Du coup tu l'as mis où le... Le quoi? J'ai fait un gaufre là. Parce que du coup je vais y mettre... Merde, du coup j'étais en train de regarder ton écran, j'ai pas appuyé. Les ressources. Tu vas les coucher encore? De quoi? Ah non. J'arrive. Je pêche un ou deux poissons et j'étais justement en train de me dire, je vais faire mon possible pour repartir le plus tard possible pour énerver Barbarousse. T'as vu? Comme c'est hyper facile. Ouais. Allez, un dernier. Par contre, ça, j'y arrive mieux sur la Switch, à arriver au bout du truc. J'ai quasiment terminé le community bundle poisson et je trouve que ça n'est plus compliqué. Mais je voulais un poisson de plus. Il est possible. Bon, yes. Oh, on n'a pas la recycling machine. Non, mais je la trouve pas ouf en fait. Allez, un poisson, un dernier. Non? Zéro? Surtout qu'il y a des poissons de nuit, quoi, donc. Poissons de nuit. 40 jours dans la mer. Oh! Encore une carpe, ça n'a rien changé. 4 carpes, c'est le truc d'une recette. Ah ouais? Ouais, sauf qu'en fait, vu que. On n'a pas encore la cuisine. Il veut les recettes qui vont bien. Salut Toche, merci d'être passé. Je pense que je vais streamer en 720p jusqu'à ce que j'ai le réencodage parce que ça fait chier tout le monde en fait. Ben, surtout pour Stardew Valley, on n'a pas besoin d'être 1080 quoi. Ah oui, non, mais c'est sûr, mais. Mais là, on est en 900p, je crois. Damien serait fier de moi. Parce que je suis rentré et j'ai pas fait tout le tour. J'ai pris le raccourci en haut. Mais d'ailleurs, je peux relancer le stream en 720. Putain, j'arrive pas à ouvrir la porte. Je sens que ça, sur la version PC, tu vois, ça va bien me niquer. Je vais relancer le stream en 720 au pire. Je regarde juste comment on fait, parce que je me souviens plus. Stream. Il me tarde qu'on ait des... Des quoi? Des poules. Et voilà, 900p. Alors du coup, c'est quoi? Twitch 720p bitrate. 2500. Ouais, effectivement, c'est quand même moins chiant. 2500. Alors, on en est au truc? Non, moi j'ai un niveau supplémentaire en cueillette. Ah ouais. Ouais. Tu t'en prends. Non, c'est juste que je me dis pourquoi lui et pas moi alors que je me suis cassé le cul en fait à tout faire. J'aurais pu avoir un niveau en agriculture au moins, je sais pas. J'ai coupé plus de bois peut-être. Ouais, super. Non, c'est parce que regarde, j'ai vendu les trucs. Tu crois? Ouais, je sais pas comment ça se calcule. Je sais que le poisson c'est sur le taux de pêche. La mine, etc. Mais... Alors, très très vite, je redémarre le live. Donc, au besoin, faites un refresh. Parce que c'est possible que ça coupe et que ça remette pas le live derrière parce que Twitch s'est même codé. Ah, là, il pleut. A tout de suite. Just then. Le stream de la confiture. Ok. Allez. Ça, il met toujours... 15 ans on est passé en 720p. Comment tu fais pour ferrer le poisson? Le ferrer, tu restes cliqué en fait. C'est comme quand t'appuies, enfin c'est la même chose que le bouton. Non mais quand c'est à mort. Ah je clique. Ah tu cliques. Et je clique quand il est marqué sa mort. Enfin entre... Ah ouais mais alors là si tu t'as des lags à ce moment-là. Oh putain c'est lag à mort. Ah, c'est... On est passé en 720p pour que ce soit pas relou.
pour une petite connexion. Oh, putain, moi j'ai vachement de mal. Hop. Hop. Donc, effectivement, bah, y a, ça demande 4 fois moins de 5 fois moins de débit. Donc, je pense que ça devrait être pas mal. Et j'imagine que l'image est pas dégueulasse non plus. Hop. Donc, on pêche. Je pense que c'est le mieux à faire aujourd'hui. Eux te disent dans les astuces du jeu de couper du bois. Ouais, pourquoi pas. Je les vends les carpes, j'en garde une, je vends le reste. Je sais pas, j'ai vraiment du mal moi à pêcher, donc peut-être que je ferais mieux de couper du bois. Je garde un poireau aussi. Des algues, on va en avoir. Je sais pas, moi j'y arrive mieux, mais après toi si t'as des lags, ça aide pas. Donc je comprends pas pourquoi des fois j'arrive à ferrer et d'autres pas. Bah c'est possible que ce soit un lag du shadow en fait. Hein. Mais vu que je suis passé en 720p, ça devrait aider pour toi aussi. Mmh. Et puis le problème c'est qu'en fait tu joues sur le shadow et t'es en wifi. Donc c'est pas pratique. Mais en fait je te mettrais bien l'adaptateur Ethernet, sauf que j'arrive pas à le faire marcher sur un... Aguichon à petite bouche. Ashigan, pardon. Je connais pas du tout. Pêche des trucs, ouais, c'est... Ah, un échafaudage qui est tombé dans le quartier. Peut-être. Je ne sais pas. Oh putain, c'est le son de TweetDeck et j'ai cru que c'était un poisson. Du coup, j'ai raté mon poisson. Salut, re-salut au chat. Après, si c'est l'enfer. C'est dommage quoi. Mais ça c'est Twitch hein, qui veut pas dépenser de la bande passante. T'imagines si c'était pareil sur les vidéos, parce qu'en fait c'est le même problème que YouTube, Twitch ils sont pas rentables. Parce que ça leur coûte trop cher la bande passante vidéo. Putain mais je comprends pas. Et Allos j'ai récupéré. Ah ça c'est dans le bundle je crois. T'imagines si sur YouTube c'était pareil et genre les vidéos qui ont pas de vues, et ben en fait elles avaient que la qualité de la personne qui l'envoie et elles étaient pas réencodées et tout, et donc c'est à dire que genre sur ton téléphone tu pourrais pas voir des vidéos en HD si t'avais pas de... Oula de... Ah bah celui-là il m'a niqué complètement. Si t'avais pas une bonne connexion quoi. Et du coup ça forcerait les gens... Toshu il dit quand les persos bougent pas je suis nickel. Ouais c'est ça, bah, de toute façon c'est de l'encodage vidéo hein, quoi. Quand les images elles bougent à peine il y a moins de données quoi. Du coup faut que nous aussi on bouge pas. Ok ça me saoule. T'arrives pas à pêcher? Bah ça fait une fois sur deux et je comprends pas pourquoi. Moi, je le fais vraiment quand je vois le point d'exclamation. Ouais, mais... Je vais couper du bois. C'est vrai que quand t'as pas la mine, au début, tu te fais un peu chier. Ouais. Mais je trouve que c'est plus facile de pêcher sur la Switch parce que t'as la vibration. Moi aussi, ouais. On dirait que je pisse dans l'eau. Eh ben ça mord pas beaucoup hein. Ah, de bouger. Encore un allos. Je vais venir t'aider à couper du bois. Non, je vais aller à la plage en bas, vérifier s'il y a des trucs par terre.
Alors, le principe de Stardew Valley, c'est l'histoire de ton personnage, toi, qui en fait bosse dans un truc genre multinational, random, qui n'est pas expliqué. Bon, ils tiennent des supermarchés dans le domaine, dans le monde du jeu. Mais ils font d'autres trucs apparemment, parce que toi t'as un employé de bureau. Et du coup, ben, t'en as un peu marre de la vie moderne et de la ville surtout, de la vie urbaine, et tout ça te saoule. Et tu te rappelles que ton grand-père, en fait, t'avait dit « Prends cette lettre et le jour où t'en pourras plus de cette vie, de la ville qui t'épuise, et qui épuise les gens, tu ouvriras cette lettre. » Et en fait, quand tu ouvres cette lettre, t'as l'acte de propriété de sa ferme à Stardew Valley. Il est mort, hein, ton grand-père. Et il t'avait donné ça à sa mort, sur son lit de mort. Et du coup, t'as... Je pêche la poubelle, j'arrive pas à fouiller dedans, je la pêche. On va dire que c'est normal, tu as peut-être déjà fouillé ça. Non. Et du coup, t'as l'acte de propriété, et du coup, c'est pour changer d'air, quoi. T'en as marre de la ville, tu te dis, je quitte tout, je plaque tout, et je vais gérer la ferme de mon grand-père à Stardew Valley. Et en fait, du coup, tu commences en plantant des paniers, et tu augmentes de plus en plus ta capacité de production de ta ferme, tu automatises certains trucs, tu plantes des trucs de plus en plus gros, tu fais de l'artisanat, après tu découvres qu'il y a une mine avec des monstres, il y a des trucs un peu magiques. Tu as des interactions avec les personnages, oui, voilà, tu as des événements de l'année. Il y a des festivals tout le long de l'année. Au bout d'un moment, tu peux commencer à avoir aussi des animaux dans la ferme, à gérer. Disons que là, je crois que j'en ai bien pour 60 heures de jeu et j'ai encore énormément de trucs à faire. Tu quittes le rythme fou de la ville pour te plonger dans le monde fou de la gestion d'une ferme, mais c'est exactement ça. C'est ça, parce que le mec il se lève tout le temps en plus, son perso il se lève tout le temps à 6h du matin et tu peux te coucher à minuit. Donc le mec il fait du minuit à 6h en dodo et tous les jours il bosse, il te coupe des arbres, il va pêcher, les animaux, la ferme. Non, mais c'est ça, c'est surtout que tu peux faire un milliard de trucs. Enfin, t'as la mine, la pêche. L'artisanat, l'agriculture, t'as vraiment tout un tas de trucs, avec en plus gérer donc les relations sociales avec les gens, gérer tes finances, tes trucs. Enfin, quand tu fais de l'agriculture, il y a certains trucs que tu peux, tu peux les planter que pendant certaines saisons, et une fois qu'ils sont plantés, ils mettent un temps, et si jamais c'est plus la saison, ils marchent plus, ils auront pas le temps de fleurir, quoi, et de t'apporter quelque chose. Donc du coup, t'as plein de trucs comme ça à gérer. C'est que de la gestion, et donc oui, je pense que c'est un hymne burn-out, parce que tu sais jamais quoi faire tellement il y a de trucs à faire. Mais En fait, on en a déjà plein, donc je vais vendre le reste. Ça, j'en prends un. Et le but, c'est de faire un maximum de pognon. Le début, en fait, c'est vraiment un jeu en plus qui est exponentiel. Qui du coup peut être un peu lent au début parce que tu as plein de trucs à faire et tu t'épuises parce que t'as pas beaucoup d'énergie, tes outils sont pas top, donc du coup tu t'épuises à faire des trucs basiques alors qu'à la fin en fait tu... Enfin à la fin, même pas à la fin. Quand tu commences à optimiser... En fait on aurait dû couper du bois, il nous restait plein d'énergie, on optimise pas notre... Ah non, moi je l'ai... J'étais morte là, je crois plus rien faire. Ah mais je voyais ton énergie, elle était... Ou c'était la mienne ? Ah oui. Au lieu de se pendre comme un cadre de Renault, tu te pends comme un paysan, c'est d'actualité, j'aime. Après, les graphiques sont cool. Les graphismes, ouais. J'aime bien le style, ouais. C'est sympa. Ouais, c'est ça, c'est un style très... Oh, regarde. Trou du cul. Ah voilà, on se fait piquer un panier. Je vais t'aider à arroser, parce que... On voit ce que t'as planté après. Tu vois, regarde, là en fait, moi mon truc. Ouais, mais regarde, moi, si je me mets là, tu vois, regarde, je peux faire un, deux. Hop, celui-là.
Ouais, moi aussi. Mais en fait, c'est juste que, regarde, là, ma souris, elle est là. Et lui, en fait, il montre quasiment pas, enfin, carrément pas le même truc. Ouais, enfin, en fait, je trouve que le truc, il est à moitié fiable. Regarde, hop. Faut quand même faire gaffe. Hop. Hop. J'ai plus d'eau. Est-ce que tu crois qu'on va racheter d'autres paniers ou pas? Bah. Y a pas d'autres trucs? Si. Mais on a pas d'argent? Si, on en a. Si, si, parce que là, on a vendu des petits poissons. Je vais regarder avec toi. On a toujours pas la mine. Non. Je crois que c'est jour 5 qu'elle s'ouvre. Ouais, puis de toute façon, on a pas d'armes. Je sais pas quand est-ce que. Comment mais, tu bah, quand il va. Quand tu rentres dans la mine, t'as le gars de la guilde des aventuriers qui te la donne. Ah ouais? Cool. Il te donne la petite truc de merde. Tu regardes la quête? Est-ce que quelqu'un a un peu des jauges à cola sur la main? Non. C'est fermé. Moi, je vais faire les poubelles en attendant. Moi, je vais dire bonjour à Shane. Pourquoi? Parce qu'il t'aime pas. Ah donc voilà, t'as tout un aspect, et puis t'as un aspect social quand même présent dans le jeu, où tu discutes avec des gens, là s'ils me voient en train de faire leur poubelle, ils vont trouver ça dégueulasse et ça va les énerver. Et du coup tu peux leur offrir des cadeaux, augmenter ton amitié avec eux, si tu regardes là, non pas du tout. Le cœur. Là, t'as tous les trucs, les niveaux d'amitié avec les gens, et célibataire parce que du coup tu peux finir avec eux quoi, tiens, salut toi. Tu vois, j'arrive pas à parler aux gens, je leur fous des coups d'arrosoir. Graines de panier, graines de haricots. Les haricots, c'est pas mal parce qu'en fait... Parce que ça pousse et ensuite ça récolte. Ouais. Ça pousse en continu, les pommes de terre, c'est pas mal parce que ça reste... On en a besoin aussi pour un des community bundles. Les pommes de terre? Ouais. Ah, les pommes de terre, en plus, je crois que... Ah non, c'est court au printemps. Putain. Mais on est au printemps. Oui, mais genre, des fois t'as des... Ah oui, c'est vrai que je peux pas le faire pendant que tu y es, toi. T'as des crops qui... je te laisse le gérer, du coup. Qui sont... Comment dire? Que tu peux planter aussi, oui, qui durent deux saisons. Oui. Donc, du coup, c'est pas mal. Du coup, je prends quoi? Des haricots? Des choux-fleurs aussi, parce qu'il y en a besoin pour un community bundle. En fait, si tu peux prendre les trois qu'il y a là, au minimum un de chaque. Mais... Les haricots, les choux-fleurs et les pommes de terre, parce que les trois, en fait, il y en a besoin dans les community bundles. Ok, je prends des trois et en priorité des haricots. Parce que ça... J'ai pas du tout vu qu'il y avait le poisson. Des petits poissons dans... Alors, quand je dis tu peux finir avec eux, c'est tu peux te marier. Te marier, avoir des enfants, tu peux divorcer, te remettre à quelqu'un... Et en fait, Du coup, tes enfants, ils vont chez ta femme? Non, ils disparaissent. Non, genre, si tu divorces, qu'est-ce qui se passe? Ton époux? Ah, je sais pas, je pense qu'il reste avec toi. Et du coup, tu peux avoir plein d'enfants de plein de... Non, parce que je pense que t'en as deux et c'est fini. De partenaires différents. Je sais pas. Un poisson lune. Je t'avoue que je sais pas trop comment ça se gère à ce niveau-là, mais en tout cas... Hop. Je vais très vite finir. Fouiller les poubelles là-bas, ensuite je vais voir la plage. Ah oui, non mais il y a vraiment beaucoup de choses à faire dans ce jeu. Il est dispo en plus sur toutes les plateformes, y compris sur mobile. Bon après sur mobile je l'ai testé et je trouve que c'est pas hyper pratique l'ergonomie. Mais il est dispo partout et il coûte en moyenne, sur mobile c'est 5€ je crois, et sur toutes les autres plateformes c'est 12€ ou 13€, combien c'était 13,99€ pour l'avoir acheté à l'instant. Ah, j'ai trouvé le premier objet à filer au musée. Les bris de verre. Hyper intéressant. Et du coup quand tu finis le musée, je veux bien que tu me spoiles et que tu me dises ce qu'il y a. Quand tu finis le musée... Alors, en fait, c'est pas finir. Et du coup, je suis un peu dégoûté parce que... C'est pas... En fait, c'est un certain nombre d'objets. Donc, tu vois, je l'ai pas fini. Ah oui. Et j'ai mis des objets alors qu'en fait, ça aurait peut-être plus intéressant pour moi de les garder et de finir avec d'autres... d'autres objets. Et... En fait, quand tu atteins du coup un certain nombre d'objets, mais c'est beaucoup, je crois que c'est au moins 60... Ouais, je crois que c'est 60. 60 objets. T'as Gunther,
voilà, qui vient te voir et qui te dit merci, t'as fait plein de choses pour ce musée, tout, etc., pour la ville, blablabla. Enfin, si les gens ne veulent pas qu'on spoil, ils peuvent le dire aussi, mais... Je pense pas que ça gêne. Il te dit que, en fait, en gros, que le musée a été récompensé aussi. Et en fait, il te donne à la fois ce qu'on appelle un star drop. Je ne sais pas quelle est la traduction en français. Mais en gros, c'est une espèce de... C'est un item où il y en a très peu dans le jeu qui te permet d'augmenter ta barre d'énergie. Ah oui, d'accord. Donc c'est pour ça que j'ai une barre d'énergie plus grande typiquement dans mon jeu, parce que j'ai plusieurs star drops. Et il te donne la clé pour les égouts. Ah oui, et c'est pour vrai. Ça que j'ai accès aux égouts. Donc c'est intéressant aussi, parce qu'il y a des trucs dans les égouts, j'imagine. Ouais. Et j'en ai pas plus. C'est marrant parce qu'en fait, il te dit « Waouh, c'est incroyable, ton objet, il est ouf !» Et en fait, il te force pas à le faire un don, quoi. C'est toi qui le fais, au fond. Bah, c'est toi qui décides de quoi donner, mais tu vois, typiquement... Moi j'ai une pierre assez rare dans le jeu et je suis un peu dégoûté parce que typiquement il y a des choses que tu trouves en creusant le sol, tu vois, des morceaux d'os des fois ou autre, et en fait ça tu peux le donner, ça vaut rien, mais il y a des pierres assez rares que t'as pas forcément facilement et que j'aurais dû peut-être garder et donner d'autres choses au musée, quoi. Mais de toute façon, vu que je veux le compléter vraiment à 100% le musée, autant le donner. Alors je vais te spoil ultime, Toche, parce que tu demandes la fin du jeu. Enfin, le but du jeu, c'est... Trouver la raison qui t'entraîne. C'est pas de l'idle dans tous les cas, parce que en fait, c'est vraiment pas idle comme jeu. Si jamais tu t'occupes pas de tes plantes et que tu les arroses pas quand il pleut pas, bah du coup elles meurent. Non, elles poussent pas. Elles poussent pas, oui. Elles meurent pas. Mais du coup, elles peuvent ne pas avoir assez de temps pour pousser. Elles sont mises en pause, en gros. Donc il y a vraiment, enfin c'est vraiment pas de l'idle, du coup t'es vraiment, c'est un jeu où en fait au contraire c'est l'inverse de l'idle, tu fais que faire des trucs. C'est quoi l'idle? Tu sais, c'est les genre les jeux où les clickers, genre cookie clicker, en fait au bout d'un moment t'automatises et tu fais plus rien. Ah oui, ok. Là il y a quand même toujours des trucs à faire. Donc oui, c'est vrai qu'au bout d'un moment tu peux automatiser des trucs, mais genre l'arrosage tu peux l'automatiser. Tu gagnes pas en fait, enfin tu gagnes pas à rien faire en attendant et à juste attendre que la journée se passe. Même s'il y a des gens qui ont une stratégie comme ça, où genre après ils dorment en boucle pour ramasser de la thune. Ouais, si mais parce qu'en fait, c'est un moment où tu peux... Enfin, vu que tu mets des choses à fructifier, il vaut mieux que tu dormes pour que ça arrive de suite. Alors après, il n'y a pas d'achievement ultime, il y a plein de trucs faisables dans le jeu. Plein d'achievements, comme par exemple voilà, remplir le musée, ou aller au fond de la mine, ou plein de trucs comme ça. Enfin, il y a plein de choses. À partir d'un certain moment, il y a un truc qui s'appelle les Community Bundle, où en fait, c'est une maison qui est... Ça va arriver très vite dans le jeu. Une maison qui est là, où en fait, dedans, il y a des petits êtres magiques qui demandent à ce que tu leur donnes plein de trucs, plein d'objets, plein de choses. Et qui en fait vont rénover la ville petit à petit et la région. Donc ça fait partie d'un début du jeu. Et en fait le jeu dure 3 ans. Pas 3 vrais ans, hein, 3 ans dans le jeu. Et en fait à la fin des 3 ans, en fait, tu as une note sur comment tu as bien géré ta ferme et la qualité de ta ferme. Mais après, le jeu continue, donc tu peux continuer à jouer pour toujours, mais au bout de 3 ans, t'as cette note-là. Donc en théorie, le vrai but du jeu, c'est faire la meilleure ferme possible en 3 ans. Mais après, en fait, le jeu, il continue tout le jeu. Ouais, en fait, ça dépend aussi, je pense, de quelle décision tu donnes à meilleure ferme possible, quoi. Ouais. Je sais pas comment il note, en fait. Je sais pas, la formule, elle doit être sur Internet, parce qu'en fait, j'avais trouvé un GitHub avec le code de quelqu'un qui s'était cassé le cul à décompiler le code et à le publier, et il est assez lisible dans ses grandes parties, donc... Toujours aussi clair dans tes descriptions, je sais pas si c'est ironique ou pas. Il est 20h, va peut-être falloir rentrer dormir. Ouais. Passe par la vie, mais je lag du cul. Là. C'est le côté wifi, on aurait peut-être dû se mettre en 4G. Ça aurait été con.
Ouais, mais on serait pas sur la même raison. Oui, c'est vrai. Du coup, je vais me coucher. Très bon pitch de Baba Is You. Alors là, franchement, c'est vrai qu'on a été étonné de réussir. Ouais, c'était dans un P2P. On a été étonné de réussir à. Ah, toi, tu mets direct le poireau doré, alors que il y a un achievement des trucs dorés. On aurait pu le garder. Ouais, c'est vrai. Ouais, Baba Is You, on a été extrêmement étonné de réussir aussi bien à le décrire à l'audio. Alors que c'est un truc hyper visuel, on a trouvé ça très fort de notre part. On se jette des... Ça fait longtemps qu'on n'y a pas joué. À Baba Is You ? Ouais. Alors, pendant que moi j'attends qu'elle vienne dormir, elle coupe du bois. J'ai fini de dépenser mon énergie. Je vais faire pareil du coup. Parce que il m'en reste quand même pas mal. On va encore dire que je branle rien. On le dit pas, on le pense. Je fais gaffe à pas trop couper d'herbe pour pas se priver de foin. Mais du coup, est-ce que certains choix seront à faire en commun? Genre par exemple, quand viendra le choix de définir ce qu'on veut faire de la cave Ben, je me demande si c'est pas moi qui vais avoir le choix du coup, vu que c'est moi qui héberge. Ouais, peut-être. Ça serait logique. Et qui est moi qui ai la maison principale. Comme pour le chien, quoi. Mais t'aurais pas voulu... Je vais l'appeler comment? Ben, ça, on pourra choisir ensemble, si tu veux. Ah, parce que je crois que c'était dès le début. Ah, mais non, c'est après. Non, c'est après. T'as Toshio qui dit très belle explication de Baba Is You et ce jeu ne me tente pas du tout, mais j'ai pu comprendre très rapidement qu'il ne me tentait pas. Bah ouais. Non, mais il y a des jeux comme ça où en fait j'ai pas envie d'y jouer, mais j'ai envie de regarder les autres y jouer. Ouais. Bah récemment, là, tout ce que les gens font sur Sekiro. Ouais, voilà, c'est un jeu hyper dur. Moi je sais que ça me frustrerait aussi. Même si j'aimerais bien le tenter, mais je sais que ça m'énerverait et que je finirais par abandonner. Non, c'est typiquement le type de jeu où en fait je prends pas de plaisir à y jouer. Mais par contre, regarder les autres s'amuser dessus, pourquoi pas quoi. Après, il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait un peu de skill, mais tu vois, quand je vois. Ouais, c'est énorme. Quand je vois, tu vois, typiquement qu'Atomium il fait un speedrun. En moins d'une heure, ça devient vite de revoir l'histoire, mais après regarder speedrun. Ouais. Ouais, Toshio dit qu'il adore regarder. Moi j'ai gagné un niveau en pêche. Enfin, ça récompense ma cueillette. Alors, explication pour Toshio qui connaît pas. En fait, il faut absolument qu'on aille se coucher, parce que à 2h du matin, c'est ça? En fait, à partir de minuit, il faut vraiment que tu ailles dormir, ça te met attention. Vous êtes, vous êtes fatigué. De minuit à 2h du matin, en fait, tu peux en fait continuer. Putain, casse-toi le corbeau! Ouais, c'est ça. Ouais. Putain, ils nous ont mangé deux crocs, quoi. Vivement. Bah, c'est bon, ça, ils ont ouvert la mine. Yes. Je pense qu'on pourrait récolter les paniers. Oui. Et donc du coup... Putain, j'ai failli en défoncer. À partir de 1h du matin, ça dit vite, faites attention, faut dormir. Je crois que j'en défonce là en fait. Tu les as pas ramassés? Si, j'en ai ramassé, mais... Ah si, non, mais c'est bon. Donc du coup, à partir d'une heure de minuit, ça te dit... Offrir du bois à quiche, oui. Garde ton bois. Ça te dit, faut absolument aller dormir. Et en fait, à 2h du matin, si t'es pas dans ton lit, tu tombes dans les pommes. Et selon où t'es, si t'es dans ta ferme, en fait, tu vas avoir un malus sur ton énergie, tu les vends direct les panais. Ouais. Tu vas avoir un malus sur ton énergie, tu vas démarrer avec la barre qui sera déjà un peu vidée. Si jamais t'es dans la ville, en plus de ça, on va te prendre de l'argent, parce que c'est le docteur qui te soigne, en gros. Ouais. Et si jamais t'es dans la mine, où il y a des monstres, et ben, du coup, tu perds même des objets. Ouais. Je m'occupe d'aller acheter des nouveaux panais, de les planter. Est-ce que je vais pas dans la mine? Si, si, tu peux y aller. Du coup, j'aurais pas dû y aller par là. Je vais faire le tour. Ah, mais du coup, c'est trop tôt pour aller chez Pierre. Putain, j'ai du mal à faire le truc. La fête des œufs, on va pouvoir défoncer les gamins.
Y'a Shane! Tu n'as pas travaillé? Si, Shane. Je suis en train de réfléchir. C'est quelle heure? C'est sur le quart. En fait, elle attend son match de rugby. Oui, c'est ça. Faut soutenir. Ça pour faut soutenir le HBC Nantes. Je suis sûr qu'ils peuvent le faire. Ah, j'ai gardé tout le bois sur moi. Je suis très mauvais. Hein. Donc la lettre qu'on a reçue ce matin dans le jeu, qui était genre l'entreprise qui fait le supermarché, qui a dit oui on faisait un forage, et du coup il y a eu un glissement de terrain, en fait du coup ça a ouvert cette zone là qui est la mine. Donc à la bande. Et donc du coup la mine est voilà très intéressante parce qu'en fait il y a plein de minerais à l'intérieur, et que les minerais servent à construire des objets pour améliorer la ferme et d'autres choses. Est-ce qu'on peut mettre par hasard, hein? Qu'est-ce que t'en penses? Genre oui, si je fais ça... Peux. En fait tu peux mettre hein, dans toute la zone non. du jeu ouais, si. Des objets. Enfin des objets, des crafts, ouais. tout, etc. Sauf si tu le mets en fait sur une case hein, qui va être utilisée en fait par... un truc dans le jeu. Un NPC. Je sais pas comment on dit en français. Un PNJ. Un PNJ. En fait, ça va le détruire parce qu'il va l'utiliser en gros pour faire son. Pour faire sa vie. D'accord, mais donc là, a priori, il n'y aura jamais personne ici, donc je peux laisser le coffre là. Oui, voilà, c'est ça. Mais tu vois, typiquement, c'est pour ça qu'il y a certaines personnes aussi qui donnent des astuces pour. Parce que là, par exemple, ce que je fais, c'est pas si con. Du coup, on a un coffre ici pour mettre nos trucs en attendant pendant qu'on fait la mine. Pour utiliser les zones du jeu. Ouais. À bon escient. Enfin, bah comme le gars que j'avais vu là où en fait il reprend toute une zone où en fait il n'y a pas tant d'intérêt, qui est une zone pareille de minage où en fait il n'y a pas masse d'intérêt et du coup il met des trucs plus utiles qui rapportent plus dedans. Oui, le carry. Hein. Ouais. Je vais te rejoindre à la mine. J'ai planté des paniers. Ah, du coup ça va être intéressant de voir comment ça marche la mine. Genre tu vas y aller et a priori tu auras déjà le truc du premier étage. Bah logiquement. Sauf si t'atteins le cinquième. En fait là, parce que je vais descendre, je vais arriver au premier, mais Ah oui, non mais ce que je veux dire c'est que. Oh du bois dur, c'est cool ça. Faut qu'on le garde le bois dur, parce que y a un truc où il faut 5 bois durs. Il en faut 150 aussi pour un upgrade de la maison. Ah ouais. Et il en faut 100 de plus, parce que j'aimerais faire ça aussi, pour faire une écurie. Ah, je savais pas qu'il y avait des chevaux. Ah mais si, parce qu'après tu peux même te balader dessus. Ouais. Et c'est plus rapide. Ouais, mais avant ça, il y a... De toute façon, un truc... du Community Bundle qui te le demande. Je prends parce que ça fait du beaucoup de cailloux. Et donc du coup, oui, dans la mine, ah, comme il y a des monstres... Il y a le truc de la cinématique. Logiquement, ouais. J'espère que du coup, il va pas passer dessus et niquer le coffre. voilà. Donc dans la mine, du coup, il y a une barre de vie. Parce que dans la mine, il y a des monstres. Et donc du coup, il faut pouvoir se défendre et peut-être perdre de la vie quand il nous tape. Comme j'en ai perdu un peu, mais ça se voit pas trop. J'ai déjà plus de place. Alors, garde le bug meat. Mange le... Le panais. Le poireau. Ouais, mais... ouais, bon. Merde, je sais pas comment on fait pour manger. Comme ça. Le bug meat est important? Oui, parce que tu peux en faire des appâts. Des appâts, oui. Le slime aussi? Ouais, après ça sert plus à le slime, ouais. En fait, la faux, j'en avais pas besoin, je sais pas pourquoi je l'ai prise. Ah oui, bah ça m'a... tu m'as clear le pass en fait. Ouais, bah du coup, c'est clic droit pour rentrer. Alors là j'ai vraiment plus de trucs donc en fait faut que tu viennes Ah désolé je suis au quatrième, je pensais que...
Bah, tu peux pas remonter. Ah non, ça remonte non, tout en haut. Je remonte tout en haut. Ah merde. C'est quoi ? Jeter le charbon ? Non, là c'est du bois donc ça m'intéresse pas. Ah, par contre, topaz. La topaz. Ouais, comme ça, de toute façon, il faut le donner à Gunther. Non, bah, alors je préfère. Non. Non. Si, je préfère le col. Voilà. Entre le bois et le col, je préfère le col. C'est le col que je préfère. Oui, bah là j'ai vraiment plus de. Attends-moi, du coup, quand je. Ouais. Ah, mais alors là on a une géode aussi. Je vais jeter le col. Problème de ce jeu, c'est qu'au début t'as pas de place. Et c'est casse-couille. Et tu dois payer cher pour augmenter la taille de ton sac à dos. Mais après t'es beaucoup plus tranquille. J'arrive. Ah, j'ai trouvé le. Hop. C'est bon. Comme ça on a l'ascenseur. Bon bah du coup je viens. Mais parce que là il faut qu'on soit ensemble, parce que comme ça on peut reprendre des trucs. Optimiser notre temps de. J'ai oublié qu'on était de moisi le cul cette épée là. Ouais, mais toi t'as une épée méga obsidienne, je sais pas quoi. Genre le slime, t'en as toi? Non. Ok, bon bah je m'occupe de récupérer les slimes. Attends, est-ce qu'on a des trucs en commun? Moi j'ai du copper. Ouais, bah je peux te filer le copper, comme ça moi ça me libère un slot. Putain, il faudra que je regarde la touche pour mon inventaire parce que je galère. Tu l'as récupéré ou pas? Non, pas du tout, c'est moi qui l'ai repris. Non, c'est toujours moi qui l'ai repris. Je vais te le donner comme ça. Ouais. Mais alors par contre, ça va t'en donner qu'un? Ah oui, non, mais ça te l'a offert comme ah, ça. Ah, ça fait un cadeau, ça fait pas. Attends, et si je fais ça? Putain, mais c'est chiant. C'est moi qui l'ai repris à chaque fois. Ouais. Sinon, je peux t'en redonner, mais. Ah, mais je crois que t'en as droit que deux cadeaux par, par semaine. Ouais, mais on va voir, parce que nous, on est deux joueurs, donc... Ah, ok. Ouais. Ok. Merci, Toshu, à une prochaine fois. Bon week-end. Ouais, bon week-end. C'est vrai qu'on a eu le week-end. C'est cool, le week-end. On part sur des pizzas maison, ce soir. Oui. Je ferai la passe pendant que tu regardes le match, et puis après, on va voir. Ouais. J'ai réussi à récupérer la métisse, du coup. Donc déjà, on a débloqué le cinquième étage. Je sais pas si j'ai une géode. Ah bah attends, je la prends. Ah bah non, on peut pas. Non mais je comptais manger en fait. Ah bah si, on peut. J'ai récupéré. Comment je fais pour manger un truc? Yes. Allez hop. Ça se mange là? Ouais. Du coup, tu as de la place pour des cailloux? Oui. Bah prends les cailloux que j'ai laissés là. Parce que c'est utile quand même. Ah bah je suis content d'avoir pris mon truc. Cette zone est infestée. Ah bah je vais... Cette zone est infestée? Ouais, ça veut dire qu'on va avoir plein de monstres. T'as eu ça toi? Moi j'ai pas eu ça. Si si, j'ai double message même. Comment ça? Ça me l'a mis deux fois. Ouais mais moi je l'ai pas vu du tout. Ça change pas le fait que je l'ai pas vu du tout que toi tu l'aies eu. Oui, parce que je l'ai eu deux fois parce qu'il a cru te le donner à toi mais il me l'a donné deux fois. C'est possible. Ah, tu t'as de la place toi pour ça? Attends là je suis en train de me battre avec un slime. Pourquoi? Est-ce que justement les slimes je peux les jeter ou pas? Pour l'instant, oui, c'est pas le plus important. Ok. Bah parce qu'on a une carotte des cavernes et ça, je sais que ça sert dans un bundle. Et que c'est pas si courant que ça, en fait. Si. Ok, d'accord. Moi, j'ai galéré à en trouver quand j'ai voulu les mettre. Ah, mais en fait, si toi, t'as déjà des slimes dans ton inventaire, tu peux aller chercher celui que j'ai jeté. Si ça t'intéresse. Merde.
Oh, oh yes. Ah ouais, mais j'ai pas de... Ah, comment il se balade, c'est trop mignon. T'as de la place, hein, parce que moi j'en ai plus. Comment je fais? Escape déjà. Ben en fait, je vais manger les algues. Ouais, mais est-ce que... Tu vas avoir de la place pour deux crabes? Et ben c'est deux ah, objets. C'est le même, oui. T'as vu, on a ouvert deux passages. Alors ouais. Faut qu'on prenne le même, du coup, sinon ça va être chiant. Tu penses que ça fait quelque chose? Vas-y, essaye. Tu en prends un, j'en prends l'autre. Je prends celui de gauche. Vas-y. Attends, attends, je retrouve un peu de lag. Ah bah non, t'as vu? Ah non, parce que ça... En fait, ça a généré... Faut qu'on remonte. Pourquoi? Parce que ça fait 23 ans. Ok. Bah attends, je... donne 3 coups là-dedans. Ah, des sneakers. Ah, mais j'ai pas de place. Ouais, mais c'est pas grave. Tu drops un truc, tu t'équipes avec et... Ah ouais? Et du coup, incroyable. Ça te rend pas un truc. T'es vraiment forte. Quitter la mine. Attends, parce que moi je dois... Ah, mais je dois récupérer mes affaires. Bah, demain. Bah, demain. Il faudra que je revienne là, du coup, pour les récupérer. Finalement, c'était peut-être un peu con ce que j'ai fait de mettre un coffre ici. Il se fait tard. Avec le crapaud. Bon. Ah. T'as vendu des trucs ou... Non. Non, pour l'instant, on les laisse dans le coffre. Il fait... Donc c'est l'heure de dormir. Non, puis en plus, moi, je sais pas trop ce qu'on peut vendre ou pas. Oh yes. Eh ben on l'a gagné en même temps alors que c'est toi qui branle tout sur l'agriculture. C'est vraiment mal payé ce jeu. Eh parce qu'en fait... Ah oui, parce qu'on a vendu les panais, c'est pour ça. Et on a dû les filer à peu près en même temps, les panais. Des mauvaises herbes qui sont propagées en cause des dégâts à votre... Ah, j'ai une cinématique. Bonjour. Ah mais c'est parce que t'as trouvé du copper. Et des géodes. Je t'ai vu poser des rochers avec ta pioche pour trouver les minerais. C'est du bon travail ça. J'aime ta pioche. Si tu pourras tirer le meilleur parti des minerais que tu trouves, tu auras besoin d'une fournaise. Ça tombe bien. J'ai la même. Hein. Je suis très très chaud. Tu as besoin d'une fournaise très très chaude. Tu connais les fournaises très très chaudes dans ta région. Ah bah moi il m'a filé un... Une fournaise t'es pas mal de faire fondre des lingots de matin. Ouais. Bah on a le même là. Ça y est, on est synchro. Voilà. Eh bien prends soin de toi. Tu sais où me trouver si tu veux des fournaises très chaudes dans ta région. Ouais, alors comment on ouvre du coup le menu de craft? Ben je sais pas, mais du coup... Artisanat, parce que fournaise, pour faire la fournaise en fait il faut 20 minerais de cuivre et 25 pierres, sachant que j'ai que 7 minerais de cuivre. Donc il vaut mieux les mettre pour l'instant. Mais... Je vends la carotte hein, des cavernes, j'en ai une autre gardée, oui. J'en ai gardé une autre. Faut que j'aille au musée et tout, est-ce que du coup tu t'occupes des panais? Oui. Je m'occupe des panais, je m'occupe d'en acheter, d'en replanter. Parce que je j'ouvre les 3 géodes et je file tout à Gunther. Je le quartz, vends... la topaz, tout ça, ouais. Ça te va hein. Oui, oui, je vends un crabe. Ouais. Et l'autre, je sais qu'il y a un community bundle dessus. En fait, je crois qu'il y en a même deux. Ah bah tiens, regarde. J'ai la cinématique. Ah bah, tu peux lire. Oh, salut. Tu vas faire les voix. Ouais, mais moi, j'ai... Quel heureux. C'est le centre communautaire de Pelicanville, ou plutôt, ce qu'il en reste. C'était la fierté et la joie de cette ville. C'était toujours très animé ici. Regardez-moi ça, c'est honteux! Ces derniers jours, les jeunes préfèrent... Ces derniers temps, les jeunes préfèrent s'asseoir devant la télévision PlayStation. Que de faire partie de la communauté. Ils jouent à leur Nintendo. Mais écoutez-moi, on dirait un vieux gâteux. Oui. Spoiler alert, oui. Joja Corporation m'a harcelé afin de leur vendre le terrain, afin qu'ils puissent le transformer en entrepôt.
Pelicanville a besoin d'argent, cependant. Je n'arrive pas à le vendre. Les vieux comme moi s'attachent au relique du passé. Regarde, j'ai looté un truc, j'arrive pas à le récupérer. Et c'est peut-être parce que je suis en cinématique. Ah. Enfin, bref. Si quelqu'un d'autre devient membre de chez Jojo Co, je le vendrai. Ah, d'accord, c'est là le truc de pourquoi, en fait, quand tu prends... Ouais. Allons voir à l'intérieur. Ah, mais du coup, retourne voir le livre, quand même. Il sera toujours là. T'es sûr? En quasi, ouais. Ouais. Donc autant que j'aille faire mon... C'est mal branlé, ça, du coup. Non. C'est... En fait, ça déloute pas, ça déloute pas. Qu'est-ce que c'est? Vincent et Jas ont dû venir jouer ici. Cet endroit est encore plus délabré que dans mes souvenirs. Il fait coucou. Quoi? Beaucoup de panais. Ouais, mais parce que ça pousse vite. En fait, je vais tout prendre parce que comme ça, ça nous fera tout le. Avez-vous vu quelque chose? Je ne serais pas surpris si cet endroit était infesté par les rats. Et moi, j'ai cru que c'était un slime au début, ce truc-là, donc du coup, j'ai voulu me barrer en courant. J'ai voulu les tuer avec mon épée. Avec mon épée. Vous m'inquiétez, Pof? Écoutez, je vais rentrer chez moi, j'ai besoin d'un bon repas. Vous m'inquiétez? Je vais manger. Salut. Je vais laisser cet endroit ouvert à partir de maintenant. Vous pourriez essayer d'attraper ce rat si vous avez le temps. Ça y est, t'as réussi à le prendre? Ouais. Étrange. Je pourrais revenir plus tard et explorer davantage cet endroit. Ok, mais c'était pas du tout ce que je voulais faire. Merci. Merci, non merci. Les poubelles. Je crois qu'on vient de perdre un viewer quand j'ai commencé à chanter. Il a raison. Mais c'est vrai en bleu. Bah c'est tout, je veux que personne. Bonjour Gunther, j'aimerais te donner tout. Je te donne... Oh mon dieu. Des Est-ce choses. On peut passer... Ah ça me met... Nouvelle récompense. C'est vachement plus rapide que sur la Switch ça. Des graines de chou-fleur. On a bien fait d'en acheter. Bonjour. Alors comment s'est passée cette première nuit au vieux chalet? Dit-il après 6 jours. C'est juste que je lui avais jamais parlé en fait. Boutique améliorée, transformer du géode. Il est marqué transformer. Ah mais j'ai pas d'argent. T'as pris tout l'argent. Si tu veux je peux aller vendre un truc vite fait. Bah t'as des trucs à vendre. Bah j'ai pris des graines de panais. Ah non mais ça sert à rien que tu revendes les graines de panais, hein. C'est pas grave, on ira demain. Vivons le chien. Est-ce que du coup tu crois qu'il faut que je fasse la cinématique aussi de... Je sais pas. Est-ce que... Non, je pense pas. Pas pour ça, parce que ça c'est un truc général. Je sais pas. Parce que j'ai dû faire un truc de Wii et tout, etc. Ouais, mais comme ça donnait des objets à chaque fois. Je sais pas, bah tu verras, hein, à la limite, la prochaine fois que tu avanceras. Je viens planter des choux-fleurs. On a le temps, non? Tu les as eu où? 12 jours. Oui, c'est bon. Bah, le musée nous les a donnés. Ah, ok, c'est ça, t'as le récompense. Ah, mais non, mais j'ai pas mes putains d'outils. Pas te laisser arroser toute seule, quand même. Je vais chercher, du coup. Hop. C'est loin. Ça, tu l'as toujours pas ouvert, toi, dans ta partie? Non, je pense pas que ça s'ouvre, en fait. Ah ouais?
Tu peux m'en ajouter 9 carreaux ou je le fais? Je le fais. 9? J'arrive, hein. Ouais, j'arrive, donc je peux le faire. Hein. Si tu veux faire autre chose. Hein. Ouais, je devrais faire en bas, moi. Tiens, je suis encore rapide de passer par là. Chaque fois, je passe par en haut alors qu'il y a plein de cailloux, c'est casse-couille. Du coup, ça veut dire qu'il faut deux fois plus de thunes pour améliorer les outils aussi, si on est deux. Ouais. Et d'autres trucs en cuivre, tout, etc. Plein de matos, quoi. Peut-être qu'il faudrait bouffer les mauvaises herbes. Hein. Je sais que. On bah, pour l'instant, là, ça. Mais en fait, j'ai peur que là, ça bouffe sur notre champ. Non. C'est pas ça? Non. Alors, du coup, qu'est-ce qu'ils veulent dire quand ils disent. Ça a gêné votre. Tu sais, ils disent un truc genre. Attention, les mauvaises herbes, elles ont bouffé votre ferme, mais du coup, elles ont bouffé quoi? Bah, bon, c'est peut-être ça, t'as raison, je sais pas. On donne un coup vite fait? Oui, c'est pas pour ça, il y a des. Toi, t'as vraiment une tête de zombie, hein, je sais pas pourquoi t'as. Ouais, je te permets pas de juger mon teint comme ça. Mais... Bah, t'es verte. Hop. Je vais couper du bois. Ouais. Moi j'ai plus beaucoup d'énergie en vrai. Ah moi j'ai au taquet d'énergie en fait. Mais c'est normal, j'ai fait que me balader donc. Ou alors je vais 18h50, j'ai le temps d'aller faire un aller-retour à la plage. Juste j'ai trop de trucs sur moi donc en fait ça sert à rien. Non mais je vais y aller moi. Tu y vas? Mais en fait ça prend pas d'énergie d'aller ramasser les trucs. Oui t'as raison. Moi je vais poser mes merdes. La géode, du coup, je les garde parce que je les mettrai demain. Bah, je coupe du bois, là. Quand on ira se coucher, je referai un tweet. Pour dire qu'on joue encore une demi-heure et on s'arrête. Ouais, parce que j'ai vraiment la dalle. C'est vrai? Ah ouais. Mais les pizzas seront pas prêtes. Hein. C'est pas grave, mais je mangerai de la bière. Ok, Google, allume la tireuse à bière. Elle a dit quoi? J'ai pas entendu. Elle a dit, vous laguez, vous allez mourir dans la ville. Déverrouillez votre téléphone pour continuer. Non, c'est bon. Elle s'en est occupée, l'autre. En fait, il a beaucoup réfléchi. Vraiment, il tournait comme ça et tout. Puis au bout d'un moment, il s'est dit, non, vraiment, je suis pas sûr que ce soit lui. Il y a rien sur la plage. Ah si, il y a une petite moule. J'ai l'impression qu'en été, il y a plus de trucs. Peut-être. Une petite moulette. Incroyable. Moulitou. Incroyable. Franchement, pour l'instant, je trouve que le jeu est mieux sur PC que sur Switch. Même si j'apprécie beaucoup que sur Switch, du coup, tu peux... jouer quand tu veux, quoi. Ouais, disons, je suis pas trop bien installé, là. Bah, après, la prochaine fois, on versera les chaises, si tu veux. Ou quitte à ce que, de toute façon, on puisse jamais réussir à être dans l'angle de caméra tous les deux, on pourrait très bien... Moi, jouer dans le salon. Toi, jouer dans le salon. Moi, je pensais plus à prendre la chaise. Ah oui, aussi. Le fauteuil, là, qui est derrière, qui est trop large, mais c'est pas grave, parce que de toute façon... on n'arrive pas à être dans le cadre, parce que le but c'était qu'on soit dans le cadre tous les deux, mais ça marche pas vraiment. Et du coup, faire comme on fait avec Phil pendant les P2P, c'est-à-dire juste avoir un fond vert dégueulasse, où en fait on voit qu'il est pas assez large, mais en fait on s'en fout. Tu vois ce que je veux dire? Attends, je vends des merdes. Je pense que je peux... Non, on va le garder le bois, parce qu'il y a des trucs... Oh, il faut que tu gardes le bois... La sève, par contre, je la vends. Hein. Ouais, les graines aussi. Les graines, on en aura plein dans un moment. Je vais faire un tweet. Voulez-vous dormir? Oui. Le tweet dit, voulez-vous dormir? Oui. N'hésitez pas à RT ce tweet que je vais faire pour que...
Non, j'étais au bas de mon rang. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu peux taper hashtag EHFCL, hashtag en d'action, hashtag HBC Nantes, hashtag. Non, hop. Ah, de parler à Kenton là. Moi j'attends pour jeu. De toute façon, je suis occupé, demain le vent. Ah non, mais là, faut que je t'attends. Les jours 7. En fait, il faudrait prendre le réflexe le matin de regarder. Ah, la reine des sauces. Sauter de légumes. Disais-je des bonnes aventures. Les fruits sont du bon humeur aujourd'hui, donc on peut faire de la mine. C'est vrai qu'on avait oublié de regarder. Ah oui, les géodes. Je vais les faire. On a un peu de thunes. C'est combien de péter les géodes ? 25. Ah bah c'est bon. Par géode. Moi je fais ça et puis après je vais aller au community center. Ok. Bah on peut leur filer pas mal de trucs là déjà. Ah mais est-ce qu'on peut faire le truc du magicien d'abord ? Ah si. On va jouer au magicien là. Enfin quoi que s'il faut, ça va vraiment me déclencher parce que faut que je passe la cinématique. Bah tu verras, de toute façon, va vas-y par en haut, entre guillemets. Genre passe par la ville. Même si c'est plus long. Comme ça au pire ça te déclenche la cinématique s'il y a besoin. Non mais le magicien il est en bas. Oui, mais vas-y en sors par la ville. Et ensuite, descends dans la ville et retourne en bas. Ah oui. Et comme ça, si jamais ça doit te déclencher la cinématique, c'est le phare. Il est pas ouvert. Putain. Connard. T'as pas mis le livre. De quoi ? Il faut que t'ailles mettre le livre. Il se met automatiquement. Oh. Ah oui, t'as raison. Ouais. Alors du coup, pourquoi j'ai ça ? Parce que c'est un nouveau livre que t'as pas lu. Bah non, justement. Il dit il manque un livre ici, comme si jamais oui, il y avait parce que t'es à côté. Reviens dessus, bien sur l'école. Redescends. Non mais en fait, par défaut, il y a ça, de base, quand t'as trouvé aucun livre. Bizarre. Je pense que toi, si t'y vas, peut-être que du coup ça déclenchera le fait qu'elle. Non, non, c'est automatiquement. Oui, mais comme là c'est le premier, il faut peut-être que t'y ailles. Ah, pour que ça fasse une cinématique de merci d'avoir mis mes livres. Qu'est-ce que c'est ? Un orpiment. J'ai jamais vu. Faudra le donner à Gunther. Je vais le donner. Oh ! Un casque de nain. Un chrome de nain, ils appellent ça. Ça se met ? Non. Enfin... Ah bah faut le filer à Gunther. Ouais, enfin je sais qu'il faut le filer à Gunther, mais ça... Je sais pas si tu peux l'équiper parce que j'en ai eu un autre dans le jeu. En tout cas tu peux pas le manger. Okay. Non, je peux pas l'équiper.
suis bête, j'aurais pas dû faire ça. Incroyable, j'ai mis les trucs au pif, hein. J'ai pas rangé un musée. Non, je peux... Ah oui, parce qu'on peut pas les déchiffrer. Voilà, c'est pour ça qu'il nous faut le magicien. Du coup, on va aller ici. Je trouve des palourdes. Il y en a plein. Et il y a un trilobite. Je sais pas ce que c'est. Un quoi? Un trilobite. Pas des sous. Ah, ça c'est bien de le péter. Je crois qu'il faut 300. Trilobite. Tu vas le magicien du coup? Ouais. C'est-à-dire qu'il va pas te jeter un truc au visage vu que t'es verte? Peut-être. Je les garde, les copper or et tout. On les vend pas. Hein. Ah oui, faut les garder. Putain, mais y'a rien dans les poubelles. Je crois que j'ai rien trouvé depuis le début de la partie. Alors que d'habitude, t'as toujours une merde qui traîne. Bonjour. C'est bizarre quand même, hein. Ouais, je fais pas les poubelles, moi. Je... C'est okay. Périf, hein, en fait. Elle me juge. Ok, je peux pas, on peut pas aller encore en magicien. Ah ouais? Bah moi non, ça me dit c'est verrouillé. Je sais pas ce qui fait que tu puisses l'avoir ou pas. Je vais tenter d'y aller. On peut y aller par en bas du jeu. Ah, il y a le... La diseuse de Bonaventure. Est-ce qu'on a, on a pas de quoi lui acheter le... La truc spécial. La Grain Rare. On a pas de thune. Bac de mariage. Recette. C'est pas l'origine, c'est pas la... le truc complet. Ah ben le tri mes couilles là, il faut le donner à Gunther en fait. Je le fous dans le coffre en attendant, on ira demain. Ça aussi, merde. Hop, la jonquille on la vend, mais pourquoi j'ai encore du copper sur moi? Je vais descendre en bas. T'arrives à trouver un chemin au milieu de tout ça? Ok. Du coup, par là, c'est faisable. Bonne déduction. De quoi? Bonne déduction. C'est où Oui, c'est à gauche et on contourne le lac. T'as laissé de la fibre par terre. Oh, il est vachement plus près que ce que je pensais. En fait, ce jeu, il a vraiment une géométrie variable selon les endroits par lesquels tu passes. Ah non, mais c'est verrouillé aussi. C'est peut-être pas tout de suite alors. Ou peut-être qu'il faut c'est que moi... Lourd. Peut-être. Peut-être que moi je dois aller au community mes couilles. Non. Je sais pas, je vais chercher des oignons tant qu'on est là. Ou pas des oignons, je sais pas ce qui pousse en ce moment. Ah ouais, que ça merde. C'est pas là normalement qu'il y a des trucs sauvages qui poussent? Si, mais vu que j'en ai déjà récupéré. Ah, t'en as récupéré? Ouais. C'est quoi qui pousse? Des animaux sauvages, je crois, des cébêtes. Toujours des cébêtes. Il
Mais donc du coup, tu étais déjà passé là où je suis. Ouais, mais il y a quelques jours, donc je ne savais pas si ça aurait pu... Ah, je sais pas quelle... Ah, et c'est quand même une sacrée pluie. J'ai même pas ma canne à pêche pour pêcher. Hein. Moi, j'ai plus d'énergie, en fait. Tu sais ce que c'est, ça? Ça, oui, ça, à un moment, ça, il va y avoir un PNJ qui va le prendre pour te vendre des chapeaux. Et tu pourras acheter des chapeaux. Incroyable. Ah, donc il y a un truc. T'avais laissé de la fibre aussi. T'as plus d'énergie? Non. Bah, moi j'en ai plein. Du coup, on va couper du bois. Du coup, je vais le couper ici pour changer. J'essaie de couper du bois avec une. Une faux. Une faux. Peut-être que si je veux avoir plein de viewers simultanés pour débloquer le transcoding Twitch, je devrais faire des lives Minecraft. Peut-être. Il y aura toujours des gens pour regarder les Minecraft. Donc, en fait, je vois pas ma barre d'énergie. J'ai le micro devant. T'as un reste. Ouais, mais il me reste, mais il est bientôt à 21h. Bon, là, je coupe deux arbres, il m'en reste plus, je pense. Tu vois, je pense que j'ai pas assez pour en couper un autre, là. Si ? Je sais pas. J'ai pensé. Non, c'est pas grave. Ce chien est un chien. C'est quand qu'on a notre chien d'ailleurs? Je sais pas. Mais il faut qu'on crafte un épouvantail. Bah moi j'ai longtemps, je l'ai fait longtemps sans épouvantail. Hein. Ouais mais on n'aurait pas les corbeaux. Hein. Ouais mais ils arrivent pas tant que ça. Ouais. On est à 300 de bois, on ira débloquer la plage. On... Ouais. Tu le feras. Oui. On fait une journée de plus et on arrête. Ouais. Hamburger de survie. C'est un hamburger au sable. Moi j'ai rien eu. Pourtant, j'ai l'impression que c'est toi qui fais tout le taf de la ferme et c'est moi qui débloque tous les trucs. Je suis le sidekick. Ah, il pleut aujourd'hui, super. Excellent, la pluie. Artisanat, bois, charbon, fibre, pour faire un épouvantail, je le fais. Ah mais non, tu veux... Qu'est-ce que je veux faire? Tu vois? Quoi? En plus, il nous a piqué un poids. Désolé. Du coup, je prends 300 de bois. Ça te va? Ouais. Prends que 300 parce qu'après. On a que 28 en plus. Hein. Ouais, mais j'ai besoin de 50 donc j'irai en faire d'autres. Je prends 300 de bois et je prends le truc chelou, le filet à l'autre là. Ah, on a des patates grises? Ouais. Non.
Et finalement, Barbarousse, il nous a pas trop excitant. Je sais même pas s'il est encore sur le live. Mais il attend qu'on fasse de la confiture, mais en même temps, la confiture, c'est pas maintenant. Minimum 5 étoiles. J'ai fait 10 000 pas. T'as rempli ton objectif du jour. T'es jalouse? J'ai rempli mon objectif du jour en 8 jours. J'espère qu'il n'y aura pas trop de trucs parce que j'ai que 3 slots. Parfait, y a rien. Rien du tout. Peut-être sur l'autre plage. C'est vrai que je l'ai pour ça à la base. Putain. Ah, c'est beau. Ah oui, c'est vrai qu'il y a un mec chelou ici. J'ai une vieille amulette à vendre. On a du courrier. Ouais, c'est. Ah, bah, c'est le magicien. Ah, mais moi je l'ai pas eu. J'ai eu juste Robin. Bah, je vais y aller. Après avoir. En fait, je crois qu'on n'a pas assez pour faire un. Un épouvantail. Je crois qu'il faut du charbon. Et. Et. Je suis pas sûr qu'on ait assez de. Ah non, c'est bon. Hop, super. Crafté comme jamais. Après, est-ce qu'on va avoir la place de... Du coup, faut que tu pètes un truc. Non, je le mets en haut. Ça... Toute la zone ne sera pas couverte, mais il y en aura déjà une partie. C'est pas... Ça fonctionne par... par oui, par radius, mais du coup, enfin, ça aurait été peut-être plus rentable de péter un truc au milieu. Bah, autant faire qu'il pousse et après qu'il ait poussé, on le met. Ok. Parce que si jamais il y a un corbeau qui vient et qu'il pète, bah, du coup on le mettra là. Okay. Si jamais ça pousse, on récolte le truc. On peut le déplacer? Ouais. Je sais pas. Du coup, pourquoi je viens de voir lui? J'ai aucune raison, non? Ouais. Bonjour. Mais même pas en plus. Bonjour. Et parce que je crois que je lui ai jamais dit bonjour en fait à lui. Bah, tu sais ce que je lui ai dit aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il a dit? Ah non, mais j'ai dû lui filer un truc. Oui. Je lui ai filé quoi? Bah, tout à l'heure, ramassé à la plage, je pense. Ah. Bah non, c'était ça. Attends, qu'est-ce que je lui ai filé? Aperçu vidéo. Avec de la chance, je serais pile à ce moment-là. Non, trop tard. Je n'ai aucune idée de ce que je lui ai filé. Et il m'a juste répondu, quoi? Je suis un forgeron. Ce jeu est insupportable là-dessus. Tu fais que filer des objets sans faire exprès. Et je crois que je lui ai filé une plante, en fait. Je sais pas. Bon, c'est pas grave. Ça se trouve, je vais filer un truc ultra important. Genre mon arrosoir. Comment ça, c'est pas possible? C'est marrant parce que du coup, il va me montrer ça alors que moi, je les ai pas vus, les jumeaux. On en a des jonquilles. Oui. Je sais pas où elle est, Abigail. C'est pas celle dans la ferme tout en bas à gauche? C'est pas elle? Ah si. Et du coup, elle voulait une jonquille, c'est pas ça? Si. Non, bah ça devait pas être ça. Ah, non, c'était ça. L'autre. Je sais pas ce qu'elle m'a... J'ai pas lu. Du coup, je vais faire une jonquille lui aussi. Pour pas qu'il soit jaloux. Exactement. Du gazon du ah mais voilà, moi pourquoi ça me l'a déclenché, parce que je suis allé choper le parchemin dans le centre communautaire. Ah mais oui, parce qu'en fait faut bien qu'il traduise un truc. Mais oui, donc il faut lui filer. Je suis content que tu le fasses parce que je trouve que cette cinématique est vraiment très longue pour ce que c'est. Et c'est relou. Bah du coup, qu'est-ce que je vais faire là? À pêcher. À couper du bois? Parce qu'on a plus de bois du coup, non? Ouais. À couper du bois. Minimum 5 étoiles.
canine. Canine. Cette cinématique que t'as avec l'arbre. C'est l'esprit de la forêt. Les petits êtres de la forêt. Pendant que moi, je fais quelque chose de passionnant. C'est bon, on peut aller voir les géniments. Mais je te laisse y aller. Peur. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc là qui me passe? C'est un animal sauvage. Attends. Il y a plein de souches ici. Il y en avait autant, toi, dans ta partie. J'ai l'impression que c'est un peu random, ça. Je sais pas, mais c'est pas mal, parce que du coup, ça va nous faire du... Du hardwood. Du hardwood. Mais après, du hardwood, il y en a dans l'autre forêt, là, la forêt magique. Ouais, mais t'en as que 12 par jour. Ah ouais. Alors, quand t'as besoin de 100... C'est un peu chiant, là. Oula, je vais me crever. J'ai plus d'énergie. Soit ça, soit je mange un truc. Et je viens t'aider en foutant du corail. Ah non mais. Ah, on peut manger de la sève. Ah ouais, mais attends, il y a des trucs, c'est du poison. C'est du poison. Moins de énergie. Ah oui. T'as récupéré plein de trucs à leur filer du coup? Ouais, mais j'ai pas. Vu qu'on l'avait pas encore dans le menu, j'ai pris des trucs au pif. Je me suis mis en après. Que de tonus. Ah, mais. Que d'été, ça sera invité. Que d'hiver, ça sera en veille. Ok. Il en faut de la fibre? Il en faut pas, hein, par exemple. Non. Non, non, non. Il faut combien de bois dans le pack construction? 100. Bah, j'arrive. 2 fois 99 en fait. Ah ouais? 2 fois? Oui. Bah j'arrive. Dans les poissons, on les a pas encore, non? Non, on a pas encore les poissons. La carotte non plus. Par contre. Poireau, il en faut ouais, un. Ouais, ouais. La fibre, on s'en fout. Ça, tu l'as mis, la jonquille? La jonquille, oui, mais il faut un du réfort. Faut un pissenlit? Oui. Le réfort, il est pas dans le coffre. On l'a mangé? Peut-être. Ok. Mais je... C'est peut-être le truc que t'as offert? Peut-être. Tu vais essayer de faire le tour autour pour en trouver un. Bah, je vais regarder s'il y en a un là par hasard. Et après... Et après on s'arrête. C'est vrai que moi aussi j'ai faim. T'as mangé toi ce matin? Une tartine. Une vache qui rit. Ah mais non! Parce que moi je peux pas le faire.
Ah, c'est individuel, quoi. Bah, j'ai l'impression. Ça, c'est nul, par contre. Ou alors, c'est juste que ça le débloquera le jour suivant. Mais il est où, le parchemin, toi, que t'avais récupéré? Ouais, je suis allé lire ça, ouais, ça m'a déclenché le truc. Du coup, t'es loin ou pas? T'es loin? Oui, t'es loin. Pourquoi? Bah, parce que, comme ça, je t'aurais filé les trucs à donner. Oui. Mais ça y est, j'ai trouvé un... Ah, bah, tu reviens? Je reviens en premier. Je t'attends devant. Mais j'ai l'inventaire qui est plein, donc il va falloir faire plein d'échanges. Oui, bah c'est pas grave. Bah c'est 22h30. Ça va aller. On va s'en sortir. Bah vas-y. Je fais pause d'abord tes trucs. Après, je te file ça. Et j'ai l'autre aussi. Le dernier. Mon poireau. Mon poireau! Du coup, et le bois, on peut le donner là déjà ou pas? Oui. Ça a déclenché la cinématique, chez moi aussi, hein, du coup. Et du coup, moi, mon personnage, il a continué sur son mouvement qui était initié et il est dans le coin de la pièce. Attends, je vais te filer le bois aussi. Sauf que, en fait, il faudrait que je réussisse à te filer tout le stack de bois, je sais pas comment on fait. Non. Non. On refera plus tard, faut qu'on aille dormir. Attends, je vais regarder vite fait si je peux l'ouvrir. Non, toujours pas. Je pense que pour ouvrir l'inventaire, en fait, il faut faire E parce que il vient de s'ouvrir alors que j'ai pas fait exprès. Peut-être je vais tomber dans les pommes. Hein. Et tout que je me demande si moi je vais pas tomber dans les pommes aussi. Bah, je pense pas. Non, mais ça va, là. Ah oui, parce que toi, ton truc est plus loin. Non, ça va, on a le temps. Et oui, c'était pas mal. Mmh. On recommencera. Ouais. Dans 20 minutes? Non. Demain? Pourquoi pas. On verra. Il faut que j'appuie sur OK. Juste voir si j'ai la lettre. Ah, une lettre. J'arrive pas à cliquer dessus. C'est ça. Donc il faut que tu le fasses aussi. Ouais, c'est bizarre. Ah, et on a tous les trucs à récolter et tout. On fait ça demain ou une autre fois? Ouais. Eh bien, merci aux deux personnes qui sont en train de regarder. À bientôt. À bientôt. Kisha qui tape la partie direct, elle est partie. Elle est partie. Elle est partie de la partie. Et à une prochaine fois. Et n'hésitez pas. Ok, on va aller se promener, c'est bon. N'hésitez pas à repasser. Des bisous. Ciao. Il y a marqué fin du live. Mais là, il nous entend encore. Il y a marqué fin du live. Ah ouais. Et là, t'as vu, si je clique là. Ouais.